précédemment dans Guerre des Sexes. Tu es la fille de Dimo. Fanta. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Papa, n'écoute pas ce qu'elle raconte. Mon oncle, c'est vrai. Ta femme a passé tout le temps à te tromper avec Edimo. Mais attends, tu n'as pas te mêlé les problèmes de tes parents? Pourquoi pas? Ça me concerne aussi. Non, pas du tout. Ton père est passé contre ta mère, pas contre toi. Une bonne nouvelle? Ouais. Il s'agit de quoi? T'inquiète pas, tu seras bientôt informé. Je dois juste bien placer mes pions. Mais je suis sûre que j'obtiendrai ce que je veux. Nous avons fait tellement de choses ensemble. Pour toutes ces années de bonheur. Je te demande pardon. Ok. De bonheur? Année de mensonge, tu veux dire? Paloma, ne parle pas ainsi de ton père. Comment est-ce que tu veux que je parle, maman? Je suis énervée. Quand c'est un homme qui fait des enfants dehors, il n'y a pas de problème. Hmm? On peut lui pardonner. Oh non, 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 non. On doit lui pardonner. Mais quand c'est une femme qui fait une toute petite bêtise, on se jette sur elle. Production. Une image présente les femmes comme des fruits. Chacune a sa couleur. Ta forme, ton arôme, son goût. Qu'est-ce que tu me parles? Tu vas bien? Mais sait-on vraiment la position de cette femme engagée dans le travail de l'économie? Ma chérie, qu'est-ce que se passe-t-il? Tu t'apportes un verre d'eau? Oui, c'est pas bien. Qu'est-ce que se passe-t-il? C'est quoi? Maman, j'ai une mauvaise nouvelle. Maman. Il s'agit de quoi? De ton travail? De quoi alors, Paloma? Parle! Il s'agit de papa. Qu'est-ce qui arrive à ton père, Paloma? Qu'est-ce qui arrive à ton père, ma chérie? Papa. Papa. Papa a une crise cardiaque et avant qu'on arrive à l'hôpital, il est mort. Maman, je ne peux plus. Passe à ta fille. Je connais la chérie. Je suis là. Maman, sois courageuse. Chérie, sois fort. Ça ira, je suis là. Non, ça va, ça va. Maman, sois courageuse. Je vais calmer. Je suis là. Je suis désolée, ma puce. J'aimerais tellement te soulager de cette douleur, mais seul Dieu le peut. Je sais. Mais je regrette de n'avoir pas discuté avec mon père. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis sûre qu'il est parti convaincu de ton amour pour lui. Non, non. Mon père est mort assez de bonheur. Si sa femme et son meilleur ami ne l'avaient pas trahi. C'est oui ou non? J'étais la fille d'Edimo. Mon père est mort avec plein de rancœur et de doute. Mon Dieu, je ne peux pas supporter. Que dire? Je suis tout aussi choquée que toi. Est-ce qu'il était malade? Il a traversé une situation compliquée dans son ménage. Et il a eu une crise cardiaque. Oh là là. Et la maman de Paloma, où est-elle? Elle est dans sa chambre. Elle ne va pas bien. Elle-même a failli mourir hier soir.
Mais Dieu merci, j'ai fait venir un docteur. Ça doit vraiment être dur pour elle. Merci. Et mon oncle chéri est mort. Fanta! Fanta, je ne vais pas me répéter. Sors de chez moi! Paloma! Paloma, je suis de la famille! S'il te plaît, Fanta, va rejoindre ton mari dehors. S'il te plaît, s'il te plaît, tu n'es pas la bienvenue. Je t'en supplie, il t'attend dehors. Je ne sais pas. Certainement que quand Paloma sera prête, elle pourra nous donner une explication. Elle veut déjà m'écarter de tout. Il ne manque plus qu'elle m'interdise de venir aux obsèques de mon oncle. Mais je ne me laisserai pas faire. J'irai voir le chef du village s'il le faut. Si elle t'écarte, elle aura bien raison. Raison? C'est une plaisanterie. Eh bien, je suis déjà bien en colère. Ne m'énerve pas davantage. En plus, avec la poisse que j'ai, je suis sûre que mon oncle est certainement mort sans avoir eu le temps de modifier son testament. Paloma va tout hériter. Pourtant, elle n'est même pas sa fille. Et Dieu, je me demande si je peux contester cela devant le juge. Quoi? Attends, explique-moi un peu ça. Que dis-tu? Tu veux contester en tant que qui? Sa nièce. Tata, ton oncle vient de mourir et c'est la seule chose à laquelle tu penses. Toi, tu la fermes. Je ne t'ai rien demandé. Vraiment, j'en ai marre. Je m'en vais. Où vas-tu? Tu veux retourner dans une maison où on a mis ta femme à la porte? Eh bien, tu es mon mari. Tu dois me soutenir. Te soutenir dans la bêtise, Fanta? Estime-toi heureuse que Paloma t'ait juste mise à la porte. Ça aurait été moi, j'aurais fait bien pire. Maintenant, lâche-moi. Lâche-moi! Ebele! Ebele, reviens ici! C'est bon, vas-y. C'est toujours comme ça. Tu prends le parti des autres. Tata, tu exagères. Toi, tu la fermes. Je t'ai demandé de te taire. Ne fais pas, je verse ma colère sur toi. Idiote. Tout ira parfaitement bien, ma chérie. Fille biologique ou pas, ton père te mérite toujours. Et rien ne pourra changer cela. Moi, je veux juste qu'il soit là. Même s'il me reniait, je préférerais qu'il vive. Chut, je suis là. Je vais m'occuper de toi. Je t'aime. Oui. Le verre d'eau. Posez-le sur la table. Merci. Et je peux faire autre chose. Non, mais si, ça ira. Madame Paloma, soyez forte. Merci, Dana. Et si tu es fatiguée, tu peux rentrer. Merci encore. Merci.
Une image présente les femmes comme des fruits. Chacune a sa couleur, sa forme, son arôme, son goût. Le problème, ce sont les hommes. Retrouvez le meilleur du cinéma camerounais sur CINAV. Regardez en illimité les films, séries et web-séries camerounais du moment. Téléchargez nos applications mobiles et TV sur App Store et Play Store ou rendez-vous sur www.cinav.tv. Car ils adorent les salades de fruits. Mais sait-on vraiment la position de ces femmes engagées dans des foyers polygamiques? Maman, je suis déjà prête pour la fête de l'école. D'accord, chérie. Je finis avec ton frère. Hein? Le chauffeur vous attend déjà. Ok, maman. Viendras-tu nous chercher? Tu nous l'as promis, maman. Ok, mon cœur. Hein? Je viendrai vous attendre à la sortie des classes, d'accord? Super! Avant d'y aller, dites-moi, que voulez-vous manger aujourd'hui? Moi, je veux du poulet. Oui, dans du rôti. Du poulet rôti. Ok, on fera ça. Ouais! Allez, on se calme. D'accord? Bon, on y va. Allez, mon cœur, avancez. Chichi, tu n'es pas encore prêt? Nous serons en retard pour la consultation. Ma consultation, hein? Tu m'aimes trop. Subitement, le matin, tu penses à moi parce que tu t'es souvenu de ma consultation. Ce n'était pas ça. Tu devais continuer de m'ignorer, non? C'est quoi le problème? Chichi, c'est encore quoi le souci cette fois-ci? Le souci cette fois-ci, monsieur mon mari, c'est que tu as passé la nuit dans la chambre de bébé. Alors que tu sais très bien que c'est ma semaine. Dimichi. Voici la troisième nuit que tu passes dans la chambre de bébé. Alors que quand c'est sa semaine, tu respectes ses jours. Mais Chichi, tu veux que je fasse quoi avec toi, bon sang? Tu es enceinte! Et alors? Parce que je suis enceinte, je n'ai pas des besoins. Je ne suis qu'à 7 mois de grossesse, donc tu peux encore bien me faire l'amour. Hé, arrête ça, s'il te plaît. Je n'ai pas l'intention d'envoyer mon machin à l'intérieur là, tant que mon enfant y est encore. Mais Chichi, j'aurais l'impression de violer mon propre enfant. Fiche-moi le cas avec tes sonnettes. Ça fait une mois que tu fais l'amour ou c'est avec ton enfant. Tu cherches juste des prétextes pour rester avec ta traînée. S'il te plaît, ne l'insulte pas. Fiche-moi le camp. Je l'insulte comme je veux et quand je veux. Dimichi, je ne suis pas venue ici pour orner ta maison. J'ai des besoins et je suis ta femme. Tu dois pouvoir me satisfaire. Et si tu ne le fais pas, j'appelle ta mère. C'est elle qui viendra résoudre son problème. Chérie, où sont les enfants? Ils sont déjà allés pour les camps. Bonjour madame. Je peux savoir pourquoi tu dors avec mon mari pendant ma semaine? Écoute Chichi, si tu veux récupérer ton mari, fais-le. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de me rejoindre. C'est ça? Comme si ça ne t'arrangeait pas. Je ne sais même pas ce que tu as donné à mon mari pour qu'il soit toujours en train de courir à tes pieds. Mais laisse-moi te dire que ta sorcellerie va finir un jour. Comme tu as décidé de bouffer mes jours dans cette maison, non, continue. Chichi, je fais comment? On va à l'hôpital ou pas? Vas-y avec elle. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Ah, ne sois pas ridicule, Chichi. Tu dois faire cette visite. C'est pour le bébé. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ne fais pas trop comme si tu t'inquiétais pour mon enfant et moi. Ok. C'est bon. Moi, je vais m'apprêter pour le travail. Sérieux, je suis fatiguée des cris. Pas de cruis. N'est-ce pas, tu as un boulot? Moi aussi, je vais y aller. Quand tu seras disposé à aller à l'hôpital, va dans mon coffre et prends l'argent qu'il faut. Et toi? Tu fais quoi là? Dégage d'ici! Ta place est dans la cuisine, stupide!
Hé, hey, toi, viens ici. Oui, madame. Je sens que le humeur une odeur. Tu ne pourrais pas quoi aujourd'hui? Maman, madame Bibi a demandé que je fasse du poulet rôti. Les enfants ont demandé cela ce matin. Quels enfants? Les bâtards là. Écoute-moi très bien. C'est la dernière fois que tu prépares quelque chose dans cette maison sans demander mon accord. Tu vas entrer dans cette cuisine et tu vas faire du écouin. Du écouin? Mais madame, j'ai déjà bouilli le poulet. Et alors? Tu le gardes frais. Aujourd'hui, on va manger du écouin. C'est la nourriture de notre village. Si ta madame Bibi ne sait rien faire d'autre que des mets modernes, c'est son problème. Je suis africaine et je mange africain. Je comprends. Je comprends maintenant pourquoi mon pauvre mari n'arrive pas à prendre du poids dans cette maison. Parce que madame a décidé de manger moderne. Va me faire du écran là-bas rapidement. Madame, c'est à madame Bibi de faire le choix du menu cette semaine. Vous l'avez fait toute la semaine passée. Je ne veux pas de problème. Tu refuses de m'obéir? Ce n'est pas ça, madame. Tu veux perdre ton travail? Tu es domestique et tu obéis aux autres. Va faire du écran là-bas rapidement. Idiote. Merci, madame. Je comprends. Pour moi, c'est pied au sol. Madame Bibi. Elle respecte trop ma semaine. Qu'elle bouffe mes jeux dans cette maison, personne ne parle. C'est la domestique qui viendra me dire comment gérer mon foyer. Chiotte. Merci. La carte du restaurant. Alors, comment tu vas, ma belle? Ça va. Merci pour l'invitation. Bah, tu sais que je n'aime pas déjeuner seule. En plus, depuis que tu es rentrée chez toi, nous n'avons pas eu à discuter. Alors, comment ça se passe? Que dire, ma chérie? La polygamie est vraiment une horreur. Surtout pour la femme. Tu te doutes bien que l'homme n'a aucun problème. Je ne sais pas où je trouve la force de supporter cela. C'est si moche que ça? Chichi est une vraie peste. Elle trouve toujours le moyen de lever la main sur mes enfants. Elle fait des scènes tout le temps. Dernièrement, j'ai même failli en venir au mât avec elle. Mais je me suis retenue. J'attends qu'elle accouche. Elle verra de quel bois je me chauffe. Non, Bibi, n'entre pas dans son jeu. Elle veut juste te déstabiliser. Et tu sais très bien que si tu lèves la main sur elle, tu auras ta belle-mère sur ton dos. Ah, s'il te plaît, ne me parle même pas de celle-là. Attends, de toutes les belles-mères au monde, il a fallu que je tombe sur cette sorcière. Tu te rends compte, Nana? Elle a refusé que mes enfants partent en week-end chez elle. Hein? Oui. Et ton mari? Il ne dit rien? Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Il lui trouve des excuses tout le temps. De toutes les façons... Je vais envoyer mes enfants chez ma mère pour un bon bout de temps. Je ne veux pas qu'ils vivent dans cette tension. Tu as raison. Ce n'est pas du tout sain pour eux. Envoie-les quelques mois chez ta mère. Je pense que c'est mieux. Je le ferai. Service? Oui, Éternel, mon Dieu, je t'en supplie, fais que mon mari revienne à la raison. Merci. Merci, Seigneur. C'est au nom de ton fils, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Hé, chérie,
Le repas était bon. Chérie, ne lui en veux pas. Que je ne lui envoie pas. Mes enfants et moi n'avons pas mangé aujourd'hui. Elle se permet de changer le menu que j'ai laissé. Bref, je n'ai plus envie de me disputer par rapport à cela. Sors. Tu me chasses? Dimitri, je ne veux plus avoir de problème avec ton épouse. C'est sa semaine. Va te coucher chez elle. Chérie, moi je veux rester avec toi. Dimitri, s'il te plaît, vraiment, j'en ai marre. Je veux pas une crise de nerfs ce soir. Je suis en train de méditer. Sors. Comme vous avez décidé qu'on ne respecte plus rien dans cette maison, alors nous allons tous dormir ensemble cette nuit. Pardon? Tu fais quoi ici? Tu penses que je vais voler mon mari et je vais rester sans rien faire? Nous allons dormir ensemble cette nuit. S'il te plaît, chéchi. Voilà ton mari. Prends-le. Sortez de ma chambre. Je suis très fatiguée. J'ai envie de dormir seule. Chéchi, retourne dans ta chambre. Je ne pars pas. Chéchi. Je dis que je ne pars pas. Ou tu dors avec moi. Nous dormons tous ensemble. Dimitri, s'il te plaît, sors. Je suis fatiguée.